j'ai pas oublié moi, vous ne me gardez à l'idée. Face à l'épidémie, des gestes simples. Lavez-vous les mains à l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, toi? Président de la République. Vous vous rappelez les élections présidentielles il y a quelques années? Il a la coiffure de Sarko et voilà, Bécassine et Guignol, voilà. Il y a un fond dans le spectacle de chanteur. C'est subliminal. Oui, mais il connaît bien la chanson. Il connaît bien la chanson. Il aime la chanson. Et puis finalement, ça le détend vraiment. Le pauvre, c'est quand même mon premier auditeur, donc de temps en temps, c'est que la France va m'en vouloir, mais je l'interromps pour lui faire écouter. C'est exactement ce que c'est pas pareil. Il a fouillé tout ce qui est à portée de toi. Ronge sa manche. Il dit en son oreille. Le monde est béni. Michel Alliomarie. Son micro, non, il va bien comme ça le micro, voilà, mais aussi Brice Hortefeux, de l'endroit où il travaille, son stylo, va décrocher ce putain de tête de champ, et tout d'un coup, un colibri. Ça fait quel effet de découvrir que finalement, vous êtes le roi de l'impopularité? En France, on aime bien détester tout ce qui est inconnu. Ah oui, mais c'est exactement du... Et c'est pas pareil. Non, mais je sais. Vous discutiez avec les dirigeants de ces 20 pays. Eh bien, les premières dames, elles ont assisté aujourd'hui tout d'abord à la photo. On s'est dit à la photo traditionnelle, photo de famille. Vous voyez ici Cécilia. Carla Bruni-Sarkozy. 31 morts en Afghanistan depuis 8 ans, mais une bonne vingtaine chez France Télécom. En seulement un an et demi, les talibans n'ont qu'à bien se tenir. Il n'y a rien de plus spécialement, de plus typiquement français que la manif de Bastien-Nation. Et bien, que serait la manif de Bastien-Nation sans l'odeur des merguez? C'est devenu une expression de typiquement, de profondément français. Hein. Donc, nous, la domination. Moi, je me vous. Je sens que tous les jours, l'identité, ça transforme au contact des autres. Avec l'odeur des merguez, c'est pas la question. Comment tu t'appelles? Terence Scott. Terence Scott, quelle est ta question? Je voulais dire. Pourquoi les gens vous détestent? Ils sont supposés vous aimer. That's what I'm talking about. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu seras grand dans ton métier? Le lundi est boueur. Le samedi est chanteur. Et puis mercredi, clochard. Des services de police, de nouveaux fichiers ont été adoptés. Je dis à l'Elysée, oui, c'est possible. Vous êtes aujourd'hui la France toute entière qui vous remercie, Dani. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être français? Si je faisais la bouteille, je vous dirais qu'être français pour moi, c'est notamment aimer par exemple la côte d'Auvergne. La peur, la colère, pire, le racisme chez certains habitants. De la mort de plusieurs centaines d'années. Mais ils ont plein de trucs comme ça. Oui, vraiment. Oui, des témoignages. Il faut que vous soyez sûr du coup pour que vous puissiez y aller. C'est une guerre sans image. Tu vois, c'est notre devoir de manger ton cœur. J'ai un petit truc à dire sur le président. Le prenez pas à mal. Comme d'hab, j'ai toujours un truc à dire sur le président. C'est simple.
Le président ne nous aime pas, je l'ai lu dans ses vœux. D'ailleurs, il ne s'aime pas non plus, ça se voit dans ses yeux. Moi j'ai de l'amour en moi et très très peu de haine. Je la réserve pour quelques journalistes de merde et pour lequel je...